pour les quelques-uns d'entre vous qui ne sont pas encore familiers avec l'organisation interne des services spéciaux, notamment les services spéciaux français, le service de renseignement de sécurité est celui qui est chargé du recueil du renseignement et de la mise en œuvre des mesures actives à l'extérieur du territoire national en matière de contre-criminalité, de contre-espionnage, de contre-prolifération et de contre-terrorisme. Alors tout ça, c'est des activités tout à fait ludiques qui se déroulent à l'étranger, donc évidemment dans l'illégalité la plus absolue et dans le plus grand secret, et ça donne du monde une vision un peu spécialisée. Monsieur Chouet, bonjour. Bonjour. Je vous interviewe aujourd'hui pour un site internet qui s'appelle Thinkerview. C'est un site internet qui donne l'opportunité à des personnes qui ne sont pas assez entendues de s'exprimer. On voudrait avoir votre point de vue sur la Syrie, la point de vue de votre qualité d'expertise, de terrain, sur l'actualité. Bien, alors d'abord, je ne cherche pas spécialement à être entendu. Je le suis, je pense, suffisamment comme ça à travers un certain nombre d'articles et de conférences. J'ai effectivement quelques idées un peu considérées comme peu orthodoxes sur la Syrie, parce que je ne suis pas dans le mainstream, ce qui ne veut pas dire pour autant que je suis un soutien du régime en place, que je connais bien, puisque mes premiers voyages en Syrie datent de 1966 et que je m'y suis rendu régulièrement pendant 40 ans, et que j'ai parfaitement conscience que le régime syrien est un régime autoritaire, brutal et assez peu démocratique. La simple question que je me pose est à laquelle je cherche des réponses, c'est de savoir si l'opposition et la rébellion actuelle sont réellement porteurs de valeurs démocratiques et capables de mettre en place un système politique comparable au nôtre, au moins en matière de liberté et de droits de l'homme. Et pour l'instant, je ne vois pas de signe de cette ouverture dans la rébellion syrienne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le financement, l'armement de la rébellion syrienne ? Alors, sur le financement de la rébellion syrienne, je crois que tout le monde sait aujourd'hui à peu près ce qu'il en est, puisque les financiers eux-mêmes ne se sont pas cachés de ce qu'ils faisaient. L'Émirat du Qatar et l'Arabie Saoudite ont clairement revendiqué, assisté financièrement et militairement la rébellion. Les services spéciaux saoudiens, le General Intelligence Directorate, reconnaît avoir été à l'origine de la création de Jabhat al-Nusra, le Front de la Victoire, qui se revendique lui-même de l'organisation Al-Qaïda, même si cette organisation est devenue assez évanescente. Mais le Jabhat al-Nusra, donc créé par les Saoudiens, revendique clairement son appartenance à la mouvance islamiste violente internationale. Elle a d'ailleurs été classée sur la liste des mouvements terroristes par l'administration américaine, qui a entrepris récemment un certain nombre de mesures contre cette organisation, qui reste quand même la principale organisation d'opposition armée au régime actuel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la position de la France sur le conflit syrien ? La position de la France, j'ai un peu de mal à la suivre, dans la mesure où on l'a vu tout récemment, à 15 jours d'intervalle, le président de la République s'est proposé dans un premier temps d'armer la rébellion syrienne, même si la communauté internationale s'y opposait, pour ensuite, 15 jours plus tard, dire qu'il n'allait pas armer cette rébellion parce qu'il n'avait aucune garantie de savoir où allaient les armes. Alors c'est une politique un peu louvoyante, dont je vois bien qu'elle consiste évidemment fondamentalement à soutenir la révolte et la rébellion syrienne, mais qui n'a pas l'air de trop bien savoir à qui s'adresser pour que ce soutien soit efficace et débouche sur des réformes démocratiques ou libérales. Quelle porte de sortie pour ce conflit ? Pour l'instant, j'en vois pas. Ce conflit dure depuis 2 ans, ce qui témoigne du fait que le pouvoir en place dispose quand même d'un soutien populaire, parce qu'aucune dictature ne disposant d'aucun soutien populaire ne peut tenir 2 ans face à une rébellion armée. Mais deux ans de guerre civile, puisque c'est bien d'une guerre civile qu'il s'agit, ont occasionné de telles destructions à la fois de l'appareil économique, de l'appareil d'État, que les choses ne seront plus jamais comme avant,
que ce pouvoir, le pouvoir en place, a perdu beaucoup de sa légitimité et de sa capacité de commandement, d'administration, de gouvernance, et que pour l'instant, les seules portes de sortie qu'on voit sont soit la prolongation sur le long terme d'une guerre civile à la libanaise, ou qui verrait s'affronter les communautés ethniques et religieuses, soit une partition du pays en entités ethniques et religieuses différentes, entre les alaouites, les druzes, les ismaéliens, les chrétiens et les musulmans sunnites, et puis les kurdes aussi, qui commencent à manifester, comme en Irak, des volontés d'autonomie, voire d'indépendance. La Russie, la Chine ? La Russie, je crois que la première motivation de la Russie dans son soutien, non pas à la Syrie, mais à l'ordre établi, à l'ordre international établi, vient du fait que les Français et les Anglais ont très largement outrepassé le mandat qu'ils avaient reçu de l'Organisation des Nations Unies en Libye, où les Français et les Anglais avaient comme mandat de protéger des populations civiles d'une répression par armes lourdes du gouvernement en place, mais qu'ils ont très largement outrepassé ce mandat en armant la rébellion, en la reconnaissant diplomatiquement, en bombardant les palais, tout l'appareil d'État libyen, et in fine en faisant lyncher le dirigeant libyen avec l'aide de leur système de détection qui ont permis de le localiser, puis de le livrer au lynchage de la foule devant les télévisions. Alors ni les Russes ni les Chinois n'ont envie que l'ONU se transforme en une machine à donner les bons et les mauvais points de gouvernance et permette à des coalitions occidentales de se débarrasser militairement des régimes qui leur plaisent pas. Voilà. Ça a été, je pense, c'est la première raison pour laquelle la Chine et la Russie freinent des quatre pattes et opposent leur veto à un certain nombre de décisions d'intervention internationale en Syrie. Pour la Russie, il y en a d'autres. C'est la protection des minorités grecques-orthodoxes. Je ne crois pas beaucoup au fait que la Russie serait motivée par les ventes d'armes qu'elle a fait à la Syrie, car la Syrie n'a jamais payé les armes que la Russie ne fournit, ni par des considérations stratégiques de port en eau profonde, qui en Méditerranée, qui est une mer fermée, n'a pas beaucoup de sens. La position des États-Unis dans... La position des États-Unis, elle m'est apparue fluctuante. Au cours des deux, trois dernières années, il est clair qu'au départ, les États-Unis ont commencé, comme la France et la Grande-Bretagne, à soutenir la rébellion syrienne et à vouer le régime syrien aux hégémonies et à appeler à son renversement. Et puis, en s'apercevant maintenant que l'opposition politique syrienne est extrêmement instable, marginalisée et n'a aucune autorité sur l'appareil militaire, en s'apercevant que l'armée syrienne libre est totalement neutralisée par le parti islamiste turc pour laisser la place uniquement au mouvement islamique armé se revendiquant du djihadisme, les Américains commencent à se poser des questions sur leur engagement et même à entreprendre un certain nombre d'actions militaires contre ces mouvements djihadistes à travers la Jordanie, Israël, etc. Donc je sais pas très bien où va l'administration Obama au cours de son second mandat. Il est clair qu'à la fin du premier mandat d'Obama, l'administration américaine, avec Hillary Clinton comme chef du département d'État, a soutenu la rébellion syrienne. Ça me semble beaucoup moins évident aujourd'hui. Et je pense qu'il faudra essayer de discerner dans les semaines ou dans les mois qui viennent quelles seront les options de à la fois du département d'État et du Pentagone vis-à-vis de la rébellion syrienne. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur l'affaire Mera ? L'affaire Mera est une affaire de maintien de l'ordre et de politique intérieure, sur lequel je suis pas réellement compétent pour parler. Moi, je considère que Mera est beaucoup plus un cas psychiatrique qu'un cas de terrorisme international. Je vois pas de différence fondamentale entre l'attitude de Mera, la dérive de Mera et celle d'un monsieur comme Anders Breivik en Norvège ou d'un Timothy McVeigh aux États-Unis, le type qui avait fait l'attentat d'Oklahoma City. Je pense que c'est un cas psychiatrique. C'est comme Anders Breivik, c'est un monsieur qui a eu besoin de rationaliser ses délires de violence, ses délires de révolte et de rébellion. Et il les a rationalisés en puisant dans son fond culturel personnel, qui est celui des flamboyances de la révolte djihadiste, comme Anders Breivik, lui, puisait dans le vieux fond nazi, dans le
le Fonds nazi européen. Mais quand des gens comme Claude Guéant ou Bernard Squarcini parlent à propos de Mera d'un loup solitaire, je crois qu'ils ont parfaitement raison, n'en déplaise un certain nombre d'experts autoproclamés des plateaux de télé, ils ont parfaitement raison. C'est pas parce que Mera a reçu le soutien de sa famille, l'aide d'un copain qui lui a prêté un scooter volé et qu'il a déclenché l'enthousiasme d'une centaine d'abrutis sur Facebook, que ça fait de lui un membre à part entière d'une internationale djihadiste violente qui aurait un projet politique et des projets spécifiques. C'est un type qui a agi seul. Il a fait deux séjours, je crois, assez courts en Afghanistan, dont il a été expulsé une première fois pour défaut de passeport et dont il a dû partir une deuxième fois pour des raisons de santé. Il y a sûrement rencontré des extrémistes religieux, mais vu la densité d'extrémistes religieux en Afghanistan, c'est pas étonnant qu'il en ait rencontré. Cela dit, c'est pas sur leurs instructions qu'il a agi pour se livrer à des actes de violence en France qui ne servent aucune cause. Le massacre de Boston. Le massacre de Boston, on est là dans la même configuration, à mon sens, enfin, sous réserve d'éléments à fournir maintenant par l'enquête. Sur Mera, on en sait suffisamment. Il est possible que, en ce qui concerne Mera, sa dangerosité ait été sous-évaluée par les services de sécurité intérieure. C'est possible que pour les deux jeunes gens de Boston, ce soit la même chose, mais sauf à avoir des éléments nouveaux qui les relieraient, là aussi, à une internationale révolutionnaire djihadiste, je pense qu'on est là aussi dans des parcours individuels de révolte, de rébellion individuelle, de gens mal intégrés et qui rationalisent leur besoin de violence par leur attachement à une certaine forme de religion, mais qui ont agi de façon assez individuelle. Un dernier petit mot sur l'esprit critique des médias. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur leur lecture, leur façon de présenter l'information ? Je suppose que vous voulez parler des médias français. Européens et américains. Les médias américains ont un problème, c'est une espèce de grande ignorance du reste du monde. Une espèce d'arrogance qui fait que pour eux, l'Amérique est au centre de tout et que quand un pétard pète dans une poubelle quelque part, c'est forcément que les Américains étaient visés, ce qui n'est pas toujours vrai. En ce qui concerne la France en particulier, ce que je constate beaucoup en France, c'est que nos médias, en particulier nos journaux, mais aussi nos médias audiovisuels, font beaucoup de leçons de morale, d'éditoriaux, de commentaires. Et assez peu d'informations, et en tout cas ignore beaucoup l'histoire, ignore beaucoup les contextes sociaux, les contextes culturels, et véhicule une espèce de forme de pensée unique et de bien-pensance qu'ils essayent de conforter chaque jour en tirant tous dans la même direction, hein, comme un banc de poissons évolue. Tous dans la même direction, sans trop savoir laquelle d'ailleurs, parce qu'on ne sait jamais quel est le pilote du banc de poisson. Voilà. La crédibilité de nos politiques avec les conflits libyens, syriens, égyptiens, qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que l'opinion publique se trompe pas trop. Elle a trouvé Il ne faut jamais se moquer de l'opinion publique, même si elle est basique, elle voit quand même bien les choses. Et on voit bien à quel point l'opinion publique juge mal ou a du mal à comprendre les options politiques de nos différents gouvernements, qu'ils soient droite ou gauche. Hein, je ne fais pas de discrimination puisqu'ils se sont tous enferrés dans les mêmes problématiques. Ce que je constate en revanche, c'est que surtout nos options politiques font que la politique française n'est plus crédible nulle part, dans la mesure où on brûle ce qu'on a adoré. On condamne à mort des gens qu'on invitait deux ans avant, soit à notre défilé de 14 juillet à la place d'honneur, soit à monter leur tente dans les jardins d'un grand hôtel parisien, pour ensuite appeler à mettre leur tête au bout d'une pique. Alors, nos partenaires d'outre-Méditerranée s'y retrouvent pas trop, mais je crois que l'opinion publique française non plus s'y retrouve pas trop. Et effectivement, quand elle voit un président de la République changer d'opinion et d'avis sur le soutien à donner à la rébellion syrienne en 15 jours, alors qu'il s'est rien produit de spectaculaire dans cet espace de 15 jours, nos concitoyens ont sans doute du mal à suivre un peu les méandres de notre politique extérieure. Un dernier mot, un conseil pour les jeunesses
les jeunesses qui pourraient vous regarder par Internet, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à leur esprit critique? Comment endurcir, travailler, affûter leur esprit critique? J'ai un conseil à leur donner. Apprenez l'histoire. Parce que ceux qui la connaissent... Alors, elle explique pas tout, mais ceux qui la connaissent pas sont condamnés à la bégayer. Alors, apprenez l'histoire, et il n'y a pas de pensée magique, il n'y a pas de fou. Les gens qui font quelque chose, c'est qu'ils ont besoin de le faire par rapport à leur passé culturel, leur passé historique, les violences qu'ils ont subies, ce qu'ils ont fait subir à d'autres. Et si on ne connaît pas tout ce passé, on ne peut pas comprendre le présent.